Oui, je t'assure, c'est un bon placement. Les pharmaceutiques, en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus juteux. Tu diversifies tes penny actions et tu minimises ton investissement avec un gros potentiel bulle. Hein? Dans le milieu, on parle d'études sur de nouveaux vaccins à propos d'une forme mutante d'hépatite. Oui, tiens-toi bien, on évoque aussi des recherches en thanatologie qui pourraient bien changer toutes nos petites habitudes. Ouais, enfin, je te rassure, c'est quand même pas pour demain. Ah, ben si en plus on peut aider la science avec de belles plus-values... C'est quand même plus sûr que de jouer au loto et bien mieux que de vendre des CD à la Fnac. En plus de ça, le gap haussier n'est pas comblé. Oui, tout va dans le bon sens, je te dis. Et je vends. Je vends. J'achète. Ah, salut Lydie. Rentrée de congé? Mais t'as fait quelque chose? Bah si. Si, tu sembles rajeuni. Tu peux me le dire, à moi, t'as fait quelque chose. T'as fait un lifting? Ah, mais ça fait super naturel. T'es magnifique. Bah, tu sais, Roger, moi, je la connais pas trop, hein, cette fille qui bosse au crédit. Par contre, ce que je sais, c'est que ça peut peser sur ton avenir professionnel. Si ça se sait, tu risques de te prendre une enquête en interne. Après, tu fais ce que tu veux de ton cul, hein, ou avec ta... Tu vois ce que je veux dire? Mais ce soir, je te l'avais dit, je vais au club. Oui, avec des copains. Non, tu les connais pas. Mais maman, je sais que c'est important pour toi, mais les lasagnes pour ce soir, c'est pas possible. Non, mais t'as vu la tronche de Lydie? Ah, mais ça fait peur. On dirait Régine. C'est simple, je ne fais pas la reconnaître. Non, mais attends, sans déconner, son lifting, c'est un vrai carnage. On dirait que tu vas te péter la gueule d'un coup. Mais non, maman, je passerai plus tard. Oui, oui, mets-les-moi dans un Tupperware. C'est super gentil. Au fait, samedi soir, je serai à la maison. Oui, 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 on va se faire une super soirée télé. Bonjour, cabinet Schumann et Goldman. Oui, pourrais-je parler à Monsieur Kirville de la part de Julien Ménard de la BCG? Comment ça, il n'est pas là? Oui, maman, j'ai bien compris. Il n'arrête pas de sonner à l'interphone et de faire du bruit dans la cour de l'immeuble. Mais non, ne réponds surtout pas, sinon ils vont continuer, ces petits cons. Oui, c'est inadmissible. Salut Marc, c'est Julien. Bah écoute, je pensais que la semaine prochaine, on pourrait peut-être partir en Corse une semaine, histoire de s'aérer. Cabinet Schumann et Goldman, votre placement, c'est notre placement. Ne quittez pas, un conseiller va vous répondre. Cabinet Schumann et Goldman, votre placement, c'est notre placement. Ne quittez pas, un conseiller va vous répondre. Cabinet Schumann et Goldman, votre placement, c'est notre placement. Ne quittez pas, un conseiller va vous répondre. Il court dans les couloirs de l'immeuble maintenant?
Oui. En plus, les deux longs font du bruit. Bon, écoute, maintenant tu mets la télé à fond. Emmerde-les, toi aussi. Ouais, te laisse pas faire. Eux aussi vont t'entendre. Please hang up and try your call again. Please hang up. Quelle journée de merde! Ah non, mais vous êtes vraiment dégueulasse, hein. Vraiment! Je vais chez les filles. Ah, mais c'est pas vrai! Ça va? Vous avez besoin d'aide? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non mais qui est à la lumière? Mais c'est pas vrai! Mais c'est quoi ce truc de merde? Quelle horreur! Mais un enculé!
Je t'en supplie, décroche. Allez, maman, décroche.